Oh non. Franchement, il vaut mieux le prendre gratuitement sur nos planètes. Ok, ben on a 13 millions. C'est acceptable. Les empires Jarzo, les empires... Je me souviens même plus qui c'est eux. Attends, c'est pas eux quand même. Non, j'allais dire. Parce que eux, c'est la putain d'alliance, quoi. Faut surtout pas qu'on s'embrouille avec eux. Eux, ça a l'air d'être, eux, ils ont l'air d'être contents. Bon, bah écoute. Moi je dis, qu'on va aller casser la gueule à une planète. On va retourner casser la gueule à... Oh, on va essayer de refaire une percée chez Grox. Une petite percée. Allez, passe. Voilà. Bien. On est où là? C'est ça la colonie qui s'effondre? Ah mais j'en ai rien à carrer moi. Là on a des alliés éventuellement. Faut absolument que je fasse attention à pas rentrer dans l'Empire Grox tout de suite. Ravitaillement, commerce. De toute façon, j'ai pas d'épices à te proposer. Et ouais, par hasard, je retente le coup, tu... Quoi, c'est des pigeons? Ah ouais, c'est des pigeons ça. Bon. Écoutez, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est démolir un petit peu. Alors, on va libérer un petit peu la zone dans laquelle on se trouve. Alors, ça a l'air d'être cette planète-là. On va tout de suite la pourrir. Oh, c'est un T0. C'est un... T0, allez hop. Cette planète-là est à nous.
en essayer une autre. Donc déjà. Allez! Donc j'arrive sur la planète. Hop, voilà. On va aller là-bas. Donc j'ai la bombe. Hop, merci, au revoir les mecs. Tant pis, hein, on va gagner en plus un tout petit peu de thunes comme ça. Ah oui, c'est vrai, merde. Eux, ils sont... Bon, bah vous alors. M'en fous, c'est les miens. Donc, allez, hop. Nickel, allez. On pourrait vraiment rompre un truc là. Si on attaquait ça. J'ai plus mon bouclier, mais j'ai envie de tenter le coup. Allez, on tente le coup. Par contre, j'ai une crampe à la main. La force. Tire! Je me tire. Ils vont me détruire. Ils vont me détruire. Allez, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Je me suis fait tuer. Ils sont balèzes, hein. On est toujours dans l'Empire Grox. Plutôt une bonne nouvelle. Donc on a fait une petite rupture dans leur camp. On pourrait détruire cette planète là. On pourrait le faire. On pourrait le faire. On pourrait aussi. D'accord, j'avais pas vu, mais la flash, elle indique le... Ok, alors cette planète-là a l'air d'être isolée. Il n'y a rien. Mais je pourrais y implanter éventuellement une colonie. Celle-là, il a l'air de rien avoir. J'essaye d'y aller. Ah oui, non, je peux pas. Ça a l'air d'être une colonie plutôt tranquille. Non, 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 pas bonne idée, pas bonne idée, pas bonne idée, pas bonne idée. Bon. Est-ce que j'ai une colonie disponible? Donc... jaune ou orange. On va varier orange. J'ai pas d'orange ici alors. Voilà, d'accord, ok. Une planète complètement
d'eau. Bon voilà. C'est où ça? Bon, je me fiche un petit peu de l'état de cette planète. C'est juste histoire que j'ai un point d'ancrage où je vais pouvoir ressusciter quand je vais me faire descendre. Donc. On va essayer cette planète. Cette planète, on va la défoncer. Ils en ont deux, ok. J'en ai une. J'aurais pas l'autre. Bon, j'ai descendu une des deux colonies. Tant pis, hein, on va mourir plusieurs fois, mais on va les avoir. Ouais, et je réapparais bien sur la planète la plus proche, donc en plus, voilà, je veux dire, je suis à deux pas là. Je suis à deux pas du truc. Attendez, en plus. Ok, je peux en plus remettre mon bouclier. Donc dès que j'arrive sur la planète, je réactive mon bouclier. C'est la touche 4. Donc 4. Et là, 3. Et je leur défonce leur mairie. Merci les cons. Et ça me permet en plus de récupérer un peu de thunes. 50 000. Eh ben pas mal ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, ça. Ok, bon. Il a pas de colonie à me revendre éventuellement. Alors, pack de. Enfin, ravitaillement. Ok. Bon. L'objectif, c'est de réussir à atteindre le centre de la galaxie. Hein. On est d'accord. Donc, moi, il faut que je libère cette zone. Donc, pour libérer cette zone, il faut que je détruise cette colonie. Donc, on va faire ça. Par contre, juste une question, si je fais. Non, non. D'accord, en appuyant sur tabulation, je change de. Ok, donc je peux tabuler comme ça et si après faire ça. D'accord, bref, ouais. Pas intuitif, mais on essaiera. Alors. Deux colonies encore. Plonge, détruis ça, fonce, détruis ça. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on s'en fiche. Comment ça? Ah putain, ils ont deux planètes. Là aussi, il y a deux colonies. Bon. Bon, on a fait une brèche. Une brèche.
Ah oui, non, je suis mort là. J'ai essayé, mais je suis mort. J'ai que 115 de vie. Enfin, j'ai plus de 35 de vie, c'est mort. Peut-être le temps de détruire une ville. Ouais. Le temps de détruire juste une ville. Ouais, je suis mort. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je progresse bien. C'est cool. Ouais, si je suis sur la bonne planète. Comment ça se fait qu'elle est pleine d'eau? Elle est... D'accord, c'est parce qu'elle a pas d'atmosphère. Elle est très froide. Ok, d'accord. J'ai juste augmenté un poil son indice. Bon, non, elle est bien comme ça. Elle est bien comme ça, je m'en fiche. J'ai déjà récupéré mon bouclier. Exroc ont quitté la planète. Ok. Les mecs, vous allez vous débrouiller sans moi. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Hein. Ok, donc je m'apprête à appuyer sur 4 dès que possible. D'accord, et là ils ont deux colonies. Hein. Donc il faut que je... Donc je le sais, ils ont deux colonies. J'ai mis mon bouclier. Hein. Je m'en fiche du pognon, ce que je veux c'est faire une faille. Je veux aller voir ce qu'il y a au centre de la galaxie parce que j'ai ma... je sais pas si vous voyez ma barre de progression en bas. Mais j'ai un... Comment dire? Une soucoupe en fait qui suit la barre d'expérience. Et apparemment la soucoupe c'est la distance qui me sépare du centre de la galaxie. Donc à l'occasion il y a une fin au jeu. Je l'ignorais. Ah, j'étais presque. J'étais presque. Nom de... Bon, ça fait rien. On va mourir une bonne cinquantaine de fois, hein, c'est sûr. Mais le... Je suis content, le bouclier, il... Ah oui, bah bien sûr, majuscule tabulation, ça fonctionne aussi. Je suis... Comment dire? J'allais dire quoi? Je suis assez content de... Ouais, ça progresse, ça progresse. Ça progresse, mine de rien, donc... Oui, et le bouclier, il a l'air quand même de se ravitailler assez vite. Et ça c'est cool. Je one shot les villes, hein, c'est... Voilà quoi. J'enquille, j'enquille, j'enquille. Je suis à 3000 de vie. Il y a encore deux colonies sur cette planète. Trois. Faut que j'enchaîne, faut que j'enchaîne, faut que j'enchaîne. Je la démolis. Je la démolis. Elle est pas morte. Ah, quand même. Bon, je suis mort, hein. Sauf si j'arrive à m'échapper, je suis mort. Ouais, je suis mort. Bon. J'ai vu deux points de vie. J'ai vu, je suis passé à deux points de vie avant de mourir. Mais ça avance. Et pas mal d'avoir mis cette petite colonie là. Elle sert à rien, juste à un petit point stratégique, quoi. Un point d'ancrage. Ouais, c'est ça. Elle est même pas défendue ni rien, hein, mais bon. Elle, je fais du dégât, mine de rien.
Écoutez, apparemment, je peux bien progresser. Je peux pas progresser par là. Putain, j'ai détruit les planétariens, je peux pas progresser par là. Je vais réessayer un truc. Qu'est-ce qu'il dit le gros malin venu d'ailleurs? Et on est à moins 598 avec eux quand même. Bon, bah je vais attaquer, hein, quitte à faire. Hein. Alors, je peux activer mon bouclier, je le fais. Avec une planète ici. Ok, donc ils ont perdu ce système. On va continuer. Oh merde, j'ai pas vu ma vie. Il me faudrait un bouclier plus puissant. Ça serait cool. Je suis sûr qu'il y en avait un et je l'ai pas vu. J'avais parlé, je crois, du destructeur de planète qu'il faudrait qu'on essaye. Si ça vaudrait bien un coup. C'est même pas une guerre là, hein. C'est de la destruction pure et simple. Le but c'est juste de leur faire perdre du territoire quoi. C'est pas de les conquérir, c'est vraiment de leur piquer du territoire, enfin leur détruire du territoire quoi. Trois cents de vie. Pas si loin, hein. Le centre de la galaxie, il est là. On est vraiment pas loin, hein. C'est juste que les Grox nous ralentissent à fond, quoi. Et surtout que, voilà, plus on avance, hop, plus notre rayon d'action diminue, et franchement, ça, c'est frustrant. Et on a pourtant le moteur stellaire le plus puissant du jeu, hein. J'ai le dernier niveau, hein. J'ai le niveau 5. Il me semble que c'est niveau 5 le dernier. Allez, hop, deux de plus. Alors, je peux activer le bouclier, je le fais.
3. Je détruis. Allez. Ce monde ne vous appartient désormais plus. Voilà. Alors, on est toujours presque full vie, donc on va continuer. Mince, il reste encore une colonie là-dedans. Putain, j'y crois pas. Au revoir. Quoi, encore? Non. Non, 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 c'est bon. Ça, donc, ok. Est-ce qu'on peut... Non, on est obligé de passer par là. Bon. On va être obligé de remonter leur système, en fait. Est-ce qu'il y a un point ennuyeux? J'ai envie de remettre un point d'ancrage ici. Bon, on n'est vraiment pas loin, c'est juste que, voilà, c'est chiant. Ok, là, il y a encore plusieurs colonies. Bon bah, on s'est entre-détruit, comme ça, c'est fait. Mais c'est pas mal, là, on avance un petit peu. Je vais voir la barre de progression des trucs. Ouais, j'ai encore gagné conquérant niveau 4. Pas mal. Donc, voyons voir où cela nous mène. On s'approche vraiment à pas de géant. Ouais. Je sais pas si ça correspond en parsec à quelque chose, la distance. Allez, efficace, efficace, MDJ, pense, efficace. Ouais, ça c'est efficace. Ok, alors, ils doivent avoir encore une colonie là-dedans. Non, non, c'est fini. Allez, plus de colonie là-dedans. Je vais laisser me détruire. Non? Ah d'accord. Bon ben... L'idée, ça serait peut-être d'aller prendre celle-là. Ça serait d'aller prendre celle-là. On va faire ça. Faire ça, on va reprendre une nouvelle colonie. On va reprendre une nouvelle colonie, on va la mettre, on va prendre celle qui est vraiment en périphérie là du truc. Arrêtez de biper de partout les mecs. Bon allez, on continue, on va attaquer, on va continuer à attaquer. On va continuer à attaquer. Je trouverais bien un point d'ancrage à se refaire quelque part.
Oh non 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 non, fais pas ça. 4, allez, hop, c'est bon, j'ai mon bouclier. Donc là je suis invincible pendant quelques secondes. En provenance de l'Empire Chimie. Ah, j'ai... Je peux acheter une planète. Je peux racheter une planète. Ok, donc ça, c'est fait. Vous savez quoi? Rien à foutre. J'y pose. Ah merde! J'ai plus de colonies! Ah merde! Ouais, bah pour la progression, ça va être plus chiant là. Et après, il y a les trous noirs, franchement, qui pourraient peut-être nous aider à avancer. Ok, ça c'est pas un trou noir. C'est pas un trou noir non plus. Ah, je pensais que c'était un trou noir, ça. Quelque chose là. 5 par sec. Quelque chose ici. D'accord, c'est des... C'est des grox. Bon bah on y va. On y va, on y va. De toute façon, ouais, apparemment il y a des grox. Mais parce que je sais pas, je les voyais pas en rouge, donc résultat... Je me suis dit, bon bah c'est peut-être une autre espèce, mais en fait non. Bon, ça c'est fait. Bon. Mais vu qu'il va falloir que je m'arrache à des colonies si je veux progresser ici. Mais on va le faire, hein. On va le faire. Ça va être l'objectif de la série. Je pense qu'on va s'arrêter quand j'aurai atteint le... Le centre de la galaxie. On n'en est pas loin, franchement. On a déjà parcouru la moitié de l'univers, quoi. On persiste encore un petit peu. Et on prendra cette colonie-là pour avancer. De 12 par sec. Ouais. Bon, de toute façon, j'arrête pas d'avoir des appels, on va y aller. Pour revenir, ça va beaucoup plus vite quand même. Alors, il me semble que ce trou noir me ramène beaucoup plus proche, hein. Je suis où? Ah ouais, non, j'ai quand même du parcours à faire. Bon, ben, on s'en fout, on a le moteur interstellaire, on est à fond, enfin voilà. Non, 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 on est bien là. Ouais, par contre, c'est bien ça, hein, le... Comment, le... Ok, ouais, salut. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ma soucoupe devient folle.
J'en suis où là? Salut. Alors. Ouh, allez, bon. Oh, bon. Les ovnis. On va s'occuper d'abord de ça. Ah oui, puis c'est de l'épice orange en plus. Allez, des ovnis hostiles, je suppose que c'est les Grox, et j'ai pas beaucoup d'énergie par contre. J'aurais dû me ravitailler. Ouais, c'est les Grox. Pas trop ce que je voulais utiliser. Je crois que j'ai échoué, hein. Ok. On récupère quand même la thune, ça, pas de soucis. Mais ce que je veux, c'est votre planète. J'ai bien la planète. Ouais, voilà, elle est là. Salut les mecs. Salut. Ravitaillement. Alors, est-ce que vous avez un bouclier plus puissant, les mecs? Pas de bouclier plus puissant. J'ai destructeur de planète, mais il me sera inutile. Il va à terme, il va plus me bloquer le passage qu'autre chose. On va acheter ça. L'ambassade. Ok, et on peut acheter des planètes. On peut acheter nos trois planètes qu'on a. Allez, on va voir un petit peu. Donc ici, c'est un T1. Donc je te rachète le système pour... Pour 3000. Allez, on va dire... voilà, on va dire qu'on les escroque pas. Vraiment que les T0, voilà, quoi. On soupe pas leur gueule non plus, quoi. Voilà, quoi. C'est quoi ça? C'est un T0. Le T0, je te le rachète 1000. 1 million. Voilà. On va racheter progressivement comme ça. C'est un T0. Ok, on vient de racheter trois systèmes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je me replace un petit peu. Alors, on va racheter les trois qui sont là. Ouais, on va racheter les trois qui sont là. Quoi, la planète claire bon alors salut axe commercial je le cherchais ok donc celui-là. Celui-là.
Dommage qu'on puisse faire que trois axes commerciaux simultanément. Parce que sinon, on en ferait mais des tonnes. Voilà. Après, on achètera certainement ces trois-là, là. Bon, donc ça, c'est fait. Ce qu'il me faut, c'est des colonies. Il me faut des colonies pour pouvoir conquérir. Ça vaut le coup. Des colonies. Deux colonies, je pense qu'on peut progresser, hein. C'est pas celui-là, hein, c'est... Non, c'est plus loin. C'est ce trou noir là, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je mette une colonie là, pour à l'autre bout, pour me souvenir de où c'est exactement. Ça permettrait de gagner du temps. Non, c'est pas ce trou noir là. Quoique c'est bon, je peux. Enfin. Ouais, tant pis, on va passer par ce trou noir là. Il est un peu loin de là où je voulais aller, mais on va y repasser, ça fait rien. Pas à côté quand même. Bon. Ah, on a déjà des réductions. Non, on n'a pas des réductions déjà de rayons, faut pas déconner. Hop, ça y est, on arrive dans l'Empire Grox. On arrive dans l'Empire Grox. C'est bon, on est chez nous. Alors, on est chez nous. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Alors, que je dise pas de bêtises. Donc, c'est par là. Quoi? Oh, vous allez vous démerder. Je me retape pas tout le trajet. Ouais, ok, allez, on va attaquer ça. Donc, ici, bouclier, bombe. Première ville. Et deuxième ville. Planète suivante.
Non, il y a... sur la même colonie là-bas. Bon, j'ai détruit un bâtiment, mais j'ai pas détruit la ville. Je vais mettre une colonie plus proche. On va avancer parsec, hein, s'il le faut, mais faut qu'on gagne du temps un petit peu comme ça et. Donc il y a bien une colonie que je peux poser quelque part, certainement. Là, je peux poser ici, ici. Si je suis dans un rayon d'action. Allez, je vais conquérir cette planète. Je m'en fous, je conquérir cette planète. Peu importe ce que c'est, je veux pas le savoir. Ça va être 31, ça? Ok, j'ai encore gagné quelque chose. Ok, bon, le niveau d'indice est trop bas, mais... Ouais, c'est un T1. Oh! Mais t'as des choses intéressantes, toi. Allez, comme ça, on peut directement aller attaquer là-bas. On va pouvoir enchaîner les conquêtes. J'attaque directement la mairie hein, pour détruire la ville, c'est tout. Voilà. Comme ça, ici, c'est réglé. Alors, on va pouvoir encore avancer. Apparemment pas ici. Putain, il va falloir vraiment qu'on passe par là. Non, on peut passer par là. Ok. On peut également passer par là. On peut passer par là. On y arrive, on y arrive. On peut passer par là. On peut passer par là. On va poser une colonne ici. Ah, déjà une espèce intelligente. Eh merde! Ah oui d'accord, ok, on est sur une planète. Tiens, c'est pas vrai! Bon bah c'était mal calculé. C'était mal calculé, j'ai pas vu que cette planète appartenait aux Orcs. Oula, ça bug un peu. Ça bug un peu, mais en même temps, c'est parce que mon vaisseau est mort dans un niveau intermédiaire un petit peu de. Oh, c'est beau. Bon. Ah oui, logique, bah oui, en plus, oui, donc j'apparais sur ma nouvelle colonie. Ce qui est pas mal. Ah oui, d'accord, et puis oui, c'est la ceinture d'astéroïdes que j'ai vue. Ok, d'accord, très bien, ok, bah, c'est nickel, c'est parfait. C'est parfait, que dire de plus. Alors, d'accord, on était là-bas. Je pensais qu'on était sur la planète juste à côté, en fait. Celle-là, elle a habité... Celle-là ne l'est pas. On va essayer d'atteindre là-bas.
essayer. Est-ce qu'on peut... Pourquoi? Je peux avancer nulle part. D'accord. Ouais, bah c'était mal calculé tout ça. Eh, je vais essayer de conquérir celle-là. Tant pis, j'ai 300. Non. Trop gourmand, trop gourmand. Beaucoup trop gourmand. Mais en même temps j'ai envie d'aller plus vite quoi parce que ça... J'en ai marre quoi. J'essaye un truc. Ouais mais apparemment dès que je quitte le... Dès que je vais dans l'espace, mon bouclier ne fait plus effet. Donc c'est là c'est parce que vraiment je me suis embrouillé sur le trajet. Mais en gros, il faudrait que je prenne cette planète-là. Je suis sûr que je peux aller jusque là-bas, hein, pratiquement. Et de là-bas... Ouais, après, de là-bas, c'est la ligne droite, donc... Je passe par tout leur territoire en mode rien à battre et dès que ma vie devient un peu critique. Je vais me mettre là, je vais me poser là, je suis à 5000.